Hello mes colorés, j'espère que vous allez bien. Je suis super ravie de vous retrouver pour une nouvelle vidéo dans laquelle je vais vous montrer comment est-ce que je réalise mon lait de coco. Mais la recette que je vais vous présenter, c'est une recette que ma mère a l'habitude de faire. Franchement, je me suis dit pourquoi ne pas le faire moi-même que d'acheter en grande surface. Pour des filles qui, comme moi, n'aiment pas se prendre la tête, j'espère que cette vidéo sera surtout facile et que vous pourrez la réaliser sans prise de tête chez vous à la maison. Si vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne YouTube ou à ma page Facebook, sinon mon compte Instagram, n'hésitez pas à le faire, c'est de la couleur dans nos vies. Donc si ce, j'arrête de parler et on se retrouve dans ma cuisine. Alors, donc, on se retrouve dans ma cuisine. Et du coup, pour mon lait, tu peux tousser. C'est bon? Donc, on se retrouve dans ma cuisine. Et pour mon lait de coco, j'aurai besoin d'une seule noix de coco. Un blender. Vous pouvez également prendre un mixeur si vous n'avez pas de blender. Un récipient dans lequel recueillir le lait. J'ai pris également un linge pour pouvoir presser la pulpe puisque j'ai pas de... On appelle ça quoi? Des chinois, non? La passoire qui est très très fine. Ouais. Moi je te crois pas. C'est à cause de la forme qu'on appelle ça. Un petit verre pour recueillir le jus. Donc, la première chose que je vais faire, c'est d'ouvrir au niveau des yeux de la noix de coco pour pouvoir récupérer l'eau. Et par la suite, je vais casser la noix. Alors j'ai fini d'enlever toute la partie marron là, donc j'obtiens ça au fait, voilà. Ma mère m'avait dit de râper avant de faire passer au mixeur, mais là quand je vais utiliser un blender, je pense que c'est plus puissant que le mixeur, donc pas besoin de râper, je vais tester pour voir. Et également, vu que j'ai enlevé la partie qui est la plus dure sur le coco, on dit le coco ou la coco, je sais même plus. Donc, vu que j'ai enlevé la partie la plus dure, ça fait que je pense que ça sera plus facile d'écraser. Mais si chez vous n'avez pas de blender, que vous avez un mixeur, n'hésitez pas à râper d'abord parce que c'est comme ça que ma mère fait. Elle râpe tout le temps avant de le mettre dans le mixeur. Donc voilà, j'ai fini de découper en petits morceaux. Je pense que maman n'avait pas tort quand elle disait de râper avant d'écraser. Ouais. Donc on obtient vraiment de la pulpe au fait. Je vais passer au mixeur. Du coup, j'ai obtenu cette pulpe. Donc je vais prendre mon linge et je vais mettre une petite quantité pour pouvoir être plus performante au niveau de l'essorage au fait. Donc il faut vraiment très bien presser parce qu'il n'y a plus de jus au fait. Voilà. Donc j'ai obtenu cette quantité. Vous pouvez très bien utiliser votre lait comme ça. Ma mère m'a conseillé de laisser reposer le lait au frais pour qu'il y ait une démarcation entre l'eau que j'ai rajoutée et le vrai lait qui était contenu dans la noix de coco. Je vais laisser reposer ma carafe de lait au frais et je vais vous montrer ça après. Pour réaliser votre lait de coco maison, je dirais que en 1, vous aurez besoin bien sûr d'une noix de coco. 2, vous la videz. 3, vous la coupez en petits morceaux et vous râpez ça. Et par la suite, vous passez soit au mixeur ou alors au blender. Et ensuite, vous utilisez un linge ou un chinois. Vous pressez pour obtenir le jus de le lait de coco. Voilà. Donc, coucou, je vous retrouve pour montrer comment est-ce que le lait est devenu. Donc, j'ai gardé au frais 5 heures de temps. Donc, vous voyez la différence. C'est que là, c'est toute l'eau qu'il y avait dans le coco. Vu qu'aujourd'hui, je ne suis pas prête à me laver les cheveux, à l'aide d'une cuillère... Donc ça c'est une cuillère pour, vous voyez, pour la glace au fait. Donc je vais faire attention à ne pas prendre l'eau. Voilà. Donc j'ai quand même une bonne quantité de lait que je vais mettre au congèle comme je vous ai dit. Et je vais juste prendre, lorsque j'aurai besoin, la quantité que je veux. Ça me permet d'avoir une meilleure conservation du lait. Donc, je vous conseillerais de le mettre dans un pot qui se ferme hermétiquement. Sauf si vous faites le lait et que vous l'utilisez immédiatement après, là, vous en foutez un peu. Mais pour la conservation, je trouve que c'est nettement mieux de le conserver dans un bol qui se ferme très très bien. À l'abri des bactéries et autres. Et puis, conserver au congèle si vous n'allez pas l'utiliser dans les 3 jours qui suivent. Parce que ça reste quand même du lait.
Voilà mes coloris, c'est tout pour cette vidéo. Comme vous l'aurez vu, la recette est vraiment, vraiment très facile et simple à réaliser. Donc, j'espère que cette vidéo vous sera utile. N'hésitez pas à la partager avec vos copines. Et si ce n'est pas qu'abonné, abonnez-vous parce que ça fait du bien de se sentir soutenu. N'hésitez pas à me laisser également des commentaires pour me dire ce que vous pensez de la recette de ma maman. Et moi, je vous retrouve très vite pour une autre vidéo.